Construit comme un char d'assaut et couvert d'épines acérées, ce reptile prend tout ce que le désert veut bien lui donner. Son aspect et son comportement effrayant lui ont valu le nom de diable cornu. Il est équipé pour tuer ses victimes par centaines. Par chance, il ne mesure que 10 cm de long. Ce petit diable ne quitterait ses terres pour rien au monde. Le matin, après s'être réchauffé au soleil, il localise une colonne de fourmis. Un défi facile à relever dans le désert. Puis il attend que les insectes arrivent jusqu'à lui et les avale un par un. Une fourmi, ce n'est pas très nourrissant. Le diable cornu doit donc en engloutir un grand nombre, près de 750 par jour. Quand il s'agit de boire, là encore, le petit lézard s'arme de patience. Ses écailles n'ont pas pour seule fonction de le protéger. Elles constituent l'une des adaptations au désert les plus ingénieuses qui soient. Quand le diable cornu trouve de l'eau, il lui suffit de la toucher. Grâce au phénomène de capillarité, les écailles qui recouvrent son corps font remonter l'eau jusqu'au côté de sa gueule, par l'intermédiaire d'un système de canaux. Concrètement, le lézard n'a qu'à tremper les pieds dans une flaque pour boire une gorgée d'eau. Le diable cornu est un survivant de l'extrême. Mais il existe en Australie des lieux trop inhospitaliers, même pour les diables.